On refuse d'aller à l'essentiel. On se préoccupe des questions qui n'ont rien à voir avec les faits poursuivis. Finalement, on se pose réellement la question si nous sommes dans un palais de justice ou au siège d'un parti politique ou dans un débat politique où il est question, n'est-ce pas, d'évaluer la gestion politique d'un homme. On n'est pas là pour faire l'évaluation de la gestion politique du président Moussa Dadis Camara. Le président Moussa Dadis ne s'est pas prêté à ce plan. Le président Moussa Dadis est venu en des termes très clairs, sincères et précis, livrer sa part de vérité, dire au tribunal et à travers ce tribunal à toute l'opinion nationale et internationale qui n'était pas au stade, qui n'envoyait personne au stade, il n'en donnait des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade, il revenait au ministère public, à la partie civile et à cette partie de la défense qui lui en veut, d'apporter la preuve qu'il a été au stade ou qu'il a donné des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. Mais au lieu de se préoccuper de cette question, on va sur des terrains inutiles, on pose des questions qui manquent de pertinence, des questions qui manquent de logique, des questions qui nous font passer inutilement toute une journée sans rien faire. À un moment donné, on comprend qu'on ne pose pas de questions pour rechercher la vérité, mais on pose des questions pour agacer le président Moussa Dadis, on pose des questions pour lui régler des comptes, et comprenez bien qu'il se sente offensé, offusqué et qu'il réagisse de la sorte. Le président Moussa Dadis est très serein. Croyez-moi, il est très serein et il est prêt à se prêter à leurs questions à tout moment. Okay.